aime tant des nouvelles là. Sougin aime tant des paroles là. Eh, eh. Nangin aime tant des nouvelles là. Sougin aime tant des paroles là. Eh, eh. On est respect pour nous toutes. C'est Pigou Nouvelle, tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigou équipe nouvelle et pilage couverture tout pays. Plus passe yon vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passe yon quinzaine journalistes ou reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez-le sous Radio Guinée. Pigou garantie ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yon bon nouvelle là, j'en lié. Fait l'autre monde tende nouvelle sous Radio Guinée. Le nouvel nou yo, 3h du matin, nouvel Douvanjou. 6h du matin, nouvel Natif Natal. 8h du matin, nouvel 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h du après-midi, nouvel là, nan bon timamit. 7h du soir, nouvel tout pays a en détail. Radio Guinée, pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays a. Depuis ces nouvelles, wap tendel sous Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Quelques informations n'a bien pour nous développer pour une nouvelle sa première dame république Martine Moïse recevoir dans salon diplomatique Cairo Point International Toussaint Louverture mardi 22 mai à reine pays espagnol Laetitia Oltis Ocasolano. Ministère éducation nationale et formation professionnelle dans une circulaire annoncé introduire plusieurs modules formation sur éducation environnementale et sur reboisement dans l'école yo. Décision ça prendra en vigueur dans prochaine année académique 2018-2019 là. Ambassadeur États-Unis accrédité en Haïti, Michel Jean Sison, mettait en bout mardi 22 mai en ayant visite deux jours dans le département sud-est pour évaluer projet gouvernement financé dans la région. Magistrat d'une commune Port de Paix, Tony Vergniaud, mourit dans un accident circulation mardi 22 mai 2018. Là. Mesdames, Messieurs, pour savoir quand pilote qui va le faire essentielle nouvelle là. Faites brancher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle chaud dans le pays, ça. Il y a des nouvelles et puis on fait mes radios. Ah, mon cher, je me fatigue là et puis je me dis, bon, je me repose. Je me prends à 3h du matin. Oh, j'ai une nouvelle à 3h du matin. Oh, oh, et bon, pas la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'ouvrent jour à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré, non, j'ai non. Bon, mon ou pas ta pensée, tant de nouvelles là. Yon l'autre fois, mesdames, messieurs, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Première dame République là, Martine Moïse, recevoir dans le salon diplomatique Aéroport International Toussaint Louverture, mardi 22 mai 2018 là, reine pays espagnol, Laetitia Oltis Ocasolano. Une visite qui entraîne un cadre de coopération entre Haïti et Espagne depuis environ 30 l'année. Reportage Fedia Sama. Première dame République Lamartine Moïse, dans tête d'une délégation, recevoir mardi 22 mai 2018 là dans salon diplomatique Aéroport International Toussaint Louverture, reine pays espagnol, Laetitia Oltis Ocasolano. Majesté, Haïti content well. Et avec tout cœur, l'a souhaité bienvenue. Bonjour les premières dames, thank you very much. Majesté reine Laetitia Oltis, dans quatre visites ça gain avec le secrétaire d'État coopération pour Amérique latine et Caraïbes Fernando Garcia Casas. Pendant ces jours li en Haïti, reine Laetitia a gain pour prendre connaissance sous divers projets dans cadre coopération Espagne et Haïti côté la participer dans une rencontre dans siège agence coopération espagnole là pour chitab ak autorité qui représente coopération en Haïti. Et pendant rencontre ça, majesté Laetitia a profité pour inaugurer nouveau local coopération qui trouvait dans Turjou. Accompagné de Première Dame République Lamartine Moïse, Majesté Laetitia a bien pour visiter mercredi 23 mai 2018 là, centre Saint-Vincent de Paul dans Cité Soleil pour apprécier travail sérieux à réaliser dans domaine éducation.
Tout de suite après rencontre li ak président République lan nan palais national, majesté a ap gen pou rencontrer représentante femme nan divers secteurs nan vie nationale la et avant de parler pour l'Espagne, reine Laetitia ap gen pou rencontrer professeur qui bénéficiait projet coopération espagnol yo. N'ap souligné, reine Laetitia toujours fait voyage sa yo pour visiter pays qui prioritaire nan cadre coopération espagnol yo, yon façon pour le capable connait impact projet agence coopération internationale ak travail volontaire espagnol yo. Li nécessaire pour nous faire connaître, Espagne a coopéré avec Haïti depuis 30 l'année et depuis 2005, Haïti vinn yon pays prioritaire pour coopération espagnole là dans cadre coopération yo. Yo aidé Haïti dans domaine accès à l'éducation, renforcement institutionnel, insécurité alimentaire, renforcement développement rural, accès à l'eau potable, assainissement, gestion patrimoine. Pour ne citer ça au seulement, à travers Agence espagnole de coopération internationale pour développement AECID depuis 1991. Laetitia Ortiz Roca Solano, fête 15 septembre 1972 dans Oviedo, une ville en Espagne. Li gagne 45 l'année. Li se yon ancienne journaliste ak présentatrice journal qui vin ren consort d'Espagne 19 juin 2014 dans avènement époulie Philippe VI. Lise petit yon journaliste qui rele Jesús José Ortiz Alvarez ak Maria Paloma Roca Solano Rodriguez. Li étudie nan Université Complutense et li gen yon licence nan science information. Nan même moment, li te commencé travail pour quotidien ABC avec agence EFE, côté li spécialisé nan politique internationale. Entre 1992 et 1993, li effectué yon stage pour journal La Nueva España d'Oviedo, côté li consacré yon rubrique économique, télévision ak spectacle. Li gen après yon master nan information audiovisuelle et tout suite après, li parti installé nan Guadalajara au Mexique pour commencer étude doctorale qu'elle pas terminé nan moment li tap travail nan Diallo Siglo. Laetitia Ortiz Roca Solano habite nan Palais Salzuela. Date qui important pour li, c'est fête naissance li 15 septembre 1972. Date mariage li avec prince asturien Felipe d'Espagne 22 mai 2004 côté li te vin princesse des Asturies 31 octobre 2005 li fait premier petit li Léonore de Bourbon y Ortiz 29 avril 2007 li fait petite fille li Sofia de Bourbon y Ortiz 29 avril 2007 li bay naissance ak petite fille li Sofia de Bourbon y Ortiz et c'est nan date 19 juin 2014 nan avènement Felipe VI li vin reine d'Espagne. Fedia Sama, Radio Guinée d'Haïti. Merci Fedia Sama, ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Jeanne Sison, qui a clôturé mardi 22 mai 2018 là, une visite en deux jours dans le département sud-est pour évaluer le projet gouvernement américain financé dans la région ça. Iran et samedi. Ambassadeur américain accrédité en Haïti à Michel Justisson dans la tête de délégation, mettez fin mardi 22 mai 2018 là, à qui on visite des jours dans la région sud-est pays en objectif visite ça. C'était pour capable évaluer ensemble programme pays États-Unis financé dans le département. Occasion pour ambassadeur américain visiter divers services dans l'hôpital Saint-Michel Jacmel, surtout programme traitement VIH-SIDA. À tuberculose gouvernement américain financé dans l'hôpital là, diplomate Michel Justisson qui montre le satisfait gestion programme fait qu'on est partenariat à continuer dans l'intérêt population. Déclaration ambassadeur américain Michel Justisson. Je suis ici pour voir notre coopération avec MSTT et l'hôpital Saint-Michel. Alors, le gouvernement des États-Unis avec Saint-Michel et avec le MSTT a offert, comme j'ai dit, des services de santé de qualité à la population du département du Sud-Est. Et nous avons travaillé avec l'hôpital, par exemple, avec le système de codage biométrique que nous avons vu, des empreintes digitales qui sont accessibles pour tous les patients. Et c'est un accomplissement impressionnant parce que les patients peuvent être suivis dès qu'ils arrivent à l'hôpital, même dans les mois qui viennent pour le traitement de plusieurs maladies. Nous sommes des partenaires, nous les États-Unis sommes des partenaires fidèles d'Haïti et nous sommes dans les domaines, comme j'ai dit, de la santé, dans l'éducation, le soutien pour la société civile. On a plusieurs projets aussi pour la bonne gouvernance locale. On a parlé de ça aussi avec la mairie, avec le programme de suivi de
dire la collection des recettes municipales. Alors, cette collaboration et cette coopération est très étroite avec le gouvernement d'Haïti, avec le peuple d'Haïti, avec la société civile d'Haïti. L'hôtel l'hôpital Saint-Michel-Jacques Bellan applaudit visite ambassadeur américain. Dans l'hôpital là, il estime qu'il gagne plus l'importance. Docteur Jean Lafontaine Maurice qui souhaite le programme SAYO continuer à jouer une subvention au pays États-Unis. Fait qu'on est un programme qui a duré 5 l'année, côté 3 l'année déjà écoulée. Docteur Jean Lafontaine Maurice. Ça a été un résultat très positif. Ambassadeur a venu parce que le programme de dépistage et prise en charge HIV qui est financé par CDC, qui est financé par le gouvernement américain. Donc, nous sommes là pour que vous l'appréciez, pour l'utilisation, pour faire de follow. Et jusqu'à présent, elle a été très satisfaite. Nous sommes ensemble avec nous, nous accompagnons pendant toutes les visites. Nous rendons compte que tout se passe pour le mieux. Aucun moment, il n'y a pas d'autre critique. Ça, c'est à quelque chose d'établant, que ce soit dans la vie de maladie, que ce soit dans le fait que notre maladie en charge, qu'elle a été très satisfaite. Et c'est tout à l'honneur de se rappeler qu'on fait du bon travail avec son sujet. Pendant visite ça dans la région sud-est, diplomates américains ont participé dans le lancement d'un programme baptisé Élan Haïti, côté stangène sélectionné à travers pays pour discuter et puis préparer certains projets en cours sous bonne gouvernance pour les services à la santé. Madame Michel Justice, on était quoi? Doit bien investissement qui fait dans Genève Plan parce que selon lui, Genève, c'est avenir en société. Depuis Jacques Mel, Irané Samedi, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Merci Irané Samedi, n'a toujours été dans le chapitre visite gain sénateur département Nondes la Ronald Larèche qui visitait département Nord mardi 22 mai 2018 là dans le cadre d'enquête sénat fait sous drame café Trioa. Sénateur Ronald Larèche t'est profité participer dans funérailles journaliste Jacques Dubois qui t'est perdu la ville dans drame ça. Patrick Saint-Justement. C'est pour permettre assemblée sénateur bien informé sur ce qui est passé. Oui, 28 avril 2018, dans le moment deux sénateurs t'a présenté une conférence débat sur fond Petro-Caribé. Et enquête diligentée et membre commission justice accès que vos sénateurs ont choisi pour que je finirai Jacques Dubois, principale victime événement, pour diligenter enquête ça. Sénateur Nordès Ronald Larèche, c'est membre commission enquête là, côté déclaration, le 22 mai 2018, après déroulement funéraire Jacques Dubois dans l'église Sacré-Cœur, dans le Cap-Haïtien. Non, à peine éterne que le Sénat diligenté, puisque moi-même, sénateur, dans la commission, le sénateur Jean-Marie Salomon, qui a participé à la commission d'enquête-là. En même temps, nous, présents pour coïncider avec le funéraire Jacques Dubois, nous avons rencontré des délégués, nous avons rencontré des crèches départementales de la police, nous avons rencontré le commissaire gouvernement, nous avons rencontré des délégués, nous avons rencontré les policiers, nous avons rencontré des gardiens à BNA, nous avons rencontré un certain nombre. Mais cette maladie, déjà, nous avons saisi un dossier. Des sénateurs qui ont été nous-mêmes, les sénateurs, l'Assemblée des sénateurs, nous devons connaître chaque balance. Il y a certains Frans, il y a certains Yumi, à des guillemets, et comme nous n'avons pas d'enquête, ensuite, il y a leur événement en bois de l'eau, et des bouches du comité gouvernement. Après funérailles là, parents, Jean-Michel Jacques Dubois a préclamé justice et militants politiques proches opposition hein, qui réalisaient une manifestation pacifique pour dénoncer l'entrée de la justice sous dossier ça. N'a pas rappelé 28 avril 2018 à cause de gaz lacrymogène qui était lagué dans l'espace côté sénateur Yuri La Tortue avec Jacques Sauveur Jean. T'a parlé sous dilapidation fonds Petro-Caribé. Jacques Dubois, yon assistant est mouru et environ une dizaine de monde est blessé. Parmi eux, journaliste Johnny Antoine. Si clameur public, même journée 28 avril, là, t'es cité non quelques individus, quitte à la guigale ça, bon côté la justice, c'est silence total, en plus le monde constaté. Clix, Saint-Justement, Guinée 42.1 FMCEO, Cap Haïtien. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Responsable Solidarité Active Lutte Consommateur Haïtien a présenté bilan travail avec perspective yo dans l'occasion premier anniversaire yo mardi 22 mai 2018 l'an chargé négociation Solidarité Active Lutte Consommateur Haïtien Israël Jackie Cantave fait qu'on ait plusieurs séances formation qui prévoit réaliser pour sensibiliser élèves d'une classe humanitaire à collectivité à sous produits et à consommer. En termes de bilan, nous disons qu'il y a plusieurs bagages que nous devons réaliser et là nous parlons déjà plus. Bref, nous disons d'abord le travail que nous avons lancé, c'était comme le rapport qui est très important, qui était des rapports d'enquête, qui était concerné d'abord la goutte, qui était ouais, que l'empile maison de commerce, l'empile supermarché, etc., qui affichait le prix en dollars. Nous avons demandé
exigé pour prier affiché en goutte selon vœu constitution. Et heureusement pour nous, nous rendons compte des chemins faisant le 28 février dernier, le président de la République, ils font arrêté présidentiel sorti, côté toute transaction sur le territoire national là, il dit de faire en goutte. Mais malheureusement, pour qu'on ait un ensemble de règles d'application et nous pour qu'on ait volonté tout, là, un ensemble de maisons de commerce pour afficher prio en goutte et surtout respecter taux de référence BRH là. Donc c'était le premier travail que nous avons fait. Ensuite, nous dit que nous avons fait un deuxième travail qui c'était le bureau régional que nous avons ouvert dans Balatiboneta, dans Saint-Marc, pour nous justement montrer que le consommateur n'a pas été seulement dans Port-au-Prince ou bien dans la zone métropolitaine, non. Mais le consommateur, lui, particulièrement dans la zone reculée et tout, et malheureusement dans la zone reculée, il a moins accès à l'information, même avec nous qui dans la zone métropolitaine, non. Donc il a besoin plus que nous accompagner. Et c'est pour ça que Fent a ouvert un bureau régional dans Saint-Marc. Et le bureau régional, ça, bien pour répercuter même le travail que nous avons fait là, dans la zone métropolitaine, non, l'a répercuté le tout, lui-même, dans la province, là, pour permettre que, au plus près de Mounio, il y ait un conseil, il y a échangé avec eux sur comment ils doivent consommer. Nous avons fait présentation pendant l'année ça tout le budget annuel. Nous. C'est la première fois que mon association dans la société civile a fait ça. Qui dit, mais combien de cobres a besoin pour fonctionner pendant l'année? Qui dit tout, mais qui côté va demander comme? Bon, nous pas dit si à Banoul, et comme de fait, pendant l'année, nous avons demandé, il n'y a pas Banoul. Parce qu'il n'y a pas de pratique ça. Mais nous-mêmes, nous avons toujours fait, dans ce souci de transparence, d'abord présentons le budget, ensuite présentons un rapport d'activité. Kounia et malheureusement, institution publique, il faut rentrer dans la démarche là parce qu'il n'y a pas habitué à elle. Mais nous espérons, dans la deuxième année, il y a comprendre la démarche là. Et même j'ai financé le parti politique, même j'ai financé l'autre association ou bien l'autre organisation politique. Nous pensons nous-mêmes, tout en tant qu'association qui défend les droits consommateurs, nous avons droit à financement et nous avons toujours fait travail nous pour demander. L'autre bagage que nous avons fait pendant l'année, c'est ouvrir un bureau des plaintes. Ça nous a remarqué, 8222 qui sont numéros courts, qui permettent que les consommateurs aient accès direct à nous. Et des fois, il y a des problèmes techniques et des fois, tout, le consommateur ne doit pas avoir une carte sur le téléphone pour permettre qu'il fasse appel là. Donc, en ce sens, nous ouvrons un bureau physique qui permettent que le consommateur n'a pas obligé de quoi, il a juste déplacé, vini, rempli formulaire plein de temps et tout le bagage après aller, j'en ai fait là. Et dernier point que nous avons dit dans le bilan, c'est le colloque international que nous avons réalisé. Ici, quand même, le Plaza, côté en pile, dans nous-mêmes, dans la presse, là, tu participé avec nous. Côté tout, il y a en pile délégation qui est sortie à l'étranger, particulièrement dans le pays CARICOM, qui est venu participer avec nous sur question normes de qualité, sur standards de qualité. Et nous étions ensemble pendant 2 jours ça, et nous avons échangé avec eux pour nous avoir expérience et pour nous avoir comment nous avons utilisé la stratégie qui a été utilisée pour nous continuer la bataille consommateur, parce qu'au final, c'est une bataille qui est longue, mais c'est une bataille qui méritait pour nous mener. De troisième jusqu'à philo, eh bien, élèves, ça, on a passé dans l'école, yo, dans 4 lycées dans la capitale, là, pour nous capables de sensibiliser, yo, pour nous capables de former, yo, pour nous capables de faire développer la caillou, réflexe consommateur responsable, là, pour permettre que yo même tout, dans la famille, dans l'église côté, yo, yo capables d'accompagner les parents, yo, les parents qui ont acheté les produits ou les services, puis yo capables yo même aider les parents, garder, jauger la qualité. Produits et services là. Ensuite, nous avons accès sur la question formation en Odile, mais sur la question rapport international. Nous allons formaliser le rapport ça, dans la mesure où nous avons un ensemble d'avocats en Europe et en Amérique du Nord qui décident d'accompagner nous pour permettre que nous fassions le travail que nous avons fait là. Parce que nous allons bien pour nous aller devant la justice de temps en temps pour nous accompagner un ensemble de consommateurs. Donc là, ça va faire que nous fassions avec appui. Avec soutien, ensemble d'avocats, que ce soit national et international, nous connaissons qui cap aider nous pour nous livrer combat. Voilà en termes de bilan et perspective pour l'année qui va venir. Chargé négociation solidarité active lutte consommateur haïtien Israël Jackie Contave, porte-parole solidarité active lutte consommateur haïtien Yvener Fauchter Joseph Fekonin, Salcon a enregistré environ 1500 plaintes contre compagnie téléphonio. Yvener Fauchter Joseph critiqué mode fonctionnement compagnie téléphone Natcom li dit qui pas jamais réagi par rapport à plainte que recevoir contre compagnie.
Nous traitons pour téléphonie mobile, par exemple. Les gens qui perdent une minute avec un mégabyte, nous avons plus que 1500 plaintes. Nous traitons. Il y a plus fort plainte, c'est pour Digicel. Mais ça nous fait, nous acheminer plainte ça au bas Digicel. Et la compagnie Digicel toujours prend le soin de relayer les clients. Pour lui dire, voilà, vous avez porté plainte dans le salcon, nous jouons une plainte là, mais ça fait que X, mais ça fait que Z, et puis, yo résout ça. Donc, il faut nous avoir au moins 700 clients qui parlent nous encore pour le problème ça, vous avez gagné, parce que yo résout le problème avec Digicel. Cependant, Digicel m'a dit, parlez nous encore, relayez les hôpitaux, c'est ça qu'il faut après vous mettre un numéro de téléphone. Ou après, de temps en temps, à chaque fois que vous parlez dans le téléphone, ou après, un message qui monte, qui dit, sous un problème pour écrire aux hôpitaux, c'est parce que vous avez besoin d'en affaire avec nous pour appeler vos plaintes. Parce que plainte par nous, l'aide prend nous, non seulement nous voyons au Bali, nous voyons la commission commerce dans la chambre des députés et au niveau Sénat, nous voyons le OPC, nous voyons le ministère du commerce, nous voyons le Conatel. Donc ça veut dire que c'est pour bon nous prendre qui ton côté. Donc il n'y a pas besoin d'un problème avec nous. Mais Natcom pas jamais répondre. Natcom, par exemple, nous gagnons 82-22 ans. Si vous avez Digicel, vous allez passer parce que Digicel a deux lignes limitées qui permettent que qui fait rouler. Natcom nous avons un contrat avec lui pour ça tout. Natcom retel coupé sans préavis, sans rien. Le nous aller dans Natcom pour nous résoudre ça ou pas dans quelle interface ou pas une personne. Moi aller moi personnellement plusieurs occasions ou pas j'ai un monde qui pour chita parler avant alors que compagnie signe un contrat avant. Donc son bagage qui pas aucune administration qui va pas régler rien parce que seulement c'est une entreprise qui l'état la donne. Depuis dans l'état ça veut dire demander parce que depuis moun Natcom gen pour gérer dans l'état gérer donc Natcom vient commencer à aller dans pays donc il ca faire n'importe qui bagage mais mal c'est bien compté mal calculé parce que ça le con rete dans droit comme moi gon contrat avant rete aussi son pas vle donc gen petit papier timbré qui va jeune. C'était Madame, Monsieur, porte-parole Solidarité Active, lutte consommateur haïtien, Yvener Faucheteur, Joseph Nkad, présentation bilan, premier anniversaire, ben Salcon, mardi 22 mai 2018. L'autre information, ministère défense avec membre état-major, yo, démarré dans l'hôtel Royal Oasis, Pétionville, yon séance travail avec une délégation militaire pays Mexique, lundi 21 mai 2018, l'an, cap duré deux jours. Ministre en défense, l'an, Hervé Denis, qui t'a préparé une question à la presse, fait qu'on ait une délégation militaire pays Mexique, là, bien, pour partager expérience, li, dans affaires des as naturels, militaires, avec délégation haïtienne, non. Ministre en défense, l'an, Hervé Denis, souligné nécessité pour force armée d'Haïtien contribuer dans le développement pays, là. Une séance que nous bien programmé avec la délégation mexicaine et aussi notre ambassade à Mexico. Donc, pense que ça a commencé très bien. Quand nous avons fait la première partie, l'ouverture officielle, là, nous allons commencer à travailler avec maintenant en commission. Nous allons commencer à travailler avec les délégations, les deux délégations. Depuis que nous sommes allés au Mexique, nous avons fait rencontre. Nous avons déjà jeté les bases de type de coopération. Ça. Nous sommes très conséquents avec l'approche que nous avons pour le renouvellement, pour le rétablissement des forces armées. Pas oublier que nous avons préparé un livre blanc et là-dedans, il y a toute une série d'actions qui doit entreprendre. Et donc, pour que l'armée soit une armée au service du développement. Et c'est dans la logique ça que nous avons les Mexicains qui ont une grande expérience, notamment au niveau militaire, notamment en question de combattre les catastrophes naturelles. Et nous connaissons le Mexique tout le temps, il y a des tremblements de terre, nous connaissons des gros cyclones d'eau. Donc, nous avons une très grande capacité pour répondre aux défis de ces catastrophes naturelles. À part ça, traditionnellement, Mexique, l'armée mexicaine est très bien vue de population. Donc, pour nous, c'est objectif ça autour, nous t'arrêmer atteindre avec l'armée d'Haïti, que ce soit en force de développement, qui participe dans le développement pays, et que toute population, déjà nous connaissons la population en très soif de l'armée en Haïti, mais nous avons fait encore plus pour que l'armée ça, son armée que l'homme nous aille, c'est un pile respect, un pile amour, parce que là, après le travail aussi pour participer dans le développement du pays. Et de ce côté-là, nous remercions un pile Mexicain, parce que c'est une peut-être modèle que nous avons gagné pour l'armée panneau. Nous avons déjà des recommandations qui ont été faites dans le livre blanc. L'armée mexicaine a venu pour capable bah nous, possiblement, la capacité que nous sommes capables de renforcer, voyez, notre doctrine nouvelle, qui est une doctrine au service du développement. Attente nous, c'est ça me fait dire nous là, c'est-à-dire que nous avons déjà un plan de travail, nous avons déjà
doctrine, nous avons toute une idéologie que nous voulons implémenter, et même nous allons aider nous, justement, cadrer davantage pour nous. Nous avons toute une série de discussions, par exemple, protection civile. D'ailleurs, m'inviter Dr. Chandler, qui est directeur protection civile. Et question de doctrine, par exemple, de service, que ce soit au niveau de haut état-major, que ce soit au niveau des soldats, de ça, c'est tout ça qui vient pour le discuter. Et comment nous capables de renforcer, par exemple, capacité de l'armée pour l'intervenir dans les cas de catastrophe. Nous gagnons ensemble d'étudiants, par exemple, qui étudient au Mexique. Et là aussi, pas capable de gagner peut-être ce que jeunes là-dedans qui ont intégré l'armée. Comme nous-mêmes, nous avons fait l'armée de plus en plus cap tourner vers les professions, tout ça. Donc, ça aussi, c'est une possibilité pour nous voir si nous sommes capables de venir dans les jeunes. Ça que tu as voulu intégrer, déjà sous place, nous connaissons capacité expérience mexicaine. Donc, il y a tout un champ de discussion. Même nous devons garantir que tout c'est au profit des institutions haïtiennes et au profit du développement du pays. Et la délégation mexicaine a 6 membres qui est dirigée par le général Porfirio Fuentes, son général de brigade lié. Et ensuite, il y a l'autre membre qui est des colonels, des lieutenants-colonels, des majors. Donc, c'est 6 membres. La délégation haïtienne, c'est l'état-major qui lui-même tout, il y a à peu près 7 membres. Évidemment, nous avons des collègues qui est le ministère de la Défense, là, tel que directeur général. Là. Nous avons l'ambassadeur Lamotte, qui joue un rôle très important aussi dans ça. Et nous avons directeur de cabinet et moi-même. Au tap côté, mesdames, messieurs, ministre en Défense, là, Hervé Denis, commandant en chef AI, Force armée d'Haïti, Jodel Le Sage, remercie la délégation militaire pays Mexique là, qui est rentrée en Haïti pour partager expérience chaud avec militaire Force armée d'Haïti. Commandant Jodel Le Sage mettait accent sur le FADH là dans le moment période cyclonique là, qui pourra commencer dans le mois de juin qui a venu là. Votre présence ici est d'autant plus appréciée qu'elle survient à un moment. Justement, nous sommes en train de reconstruire notre armée qui était dysfonctionnelle depuis plus de 20 ans. Et à la veille de la saison cyclonique, il nous tarde d'être fonctionnel pour être très utile à la population haïtienne le plus vite possible. Par exemple, en prévenant et en limitant les dégâts, les désastres naturels et en apportant des secours à cette population si le cas y échait. Nous savons très bien que vous avez beaucoup d'expérience dans ces domaines. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup votre accompagnement qui s'annonce et le fait de pouvoir bénéficier de votre expérience nous réjouit beaucoup. Je m'en voudrais ce matin de ne pas souligner la sollicitude de deux personnalités qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre cette mission possible aujourd'hui. Je veux citer notre ministre de la Défense, M. Hervé Denis, et l'ambassadeur d'Haïti à Mexico, son Excellence M. Guy Lamotte. Nous en prenons l'occasion pour les en féliciter vivement, M. le Général, M. les officiers membres de cette délégation. Nous vous disons encore merci d'être venu et vous souhaitons un futur séjour parmi nous. Commandant chef AI Force armée d'Haïti, Jodel Le Sage, chef en délégation militaire pays mexicain, Porfirio Fuentes Vélez, dans l'intervention de Dili Paris pour partager l'expérience liée avec militaires haïtiens dans le cadre de mission pour accompagner la population haïtienne dans divers domaines. Général Brigade Porfirio Fuentes Vélez, quoi l'important pour toute institution concernée, travaille ensemble pour résoudre problèmes que la population en fait face. Général Salvador Cienfuegos Cepeda, secrétaire de la Défense nationale du Mexique. Je veux vous faire parvenir de sa part ses salutations de fraternité de la part des hommes et des femmes qui intègrent les forces armées du Mexique. Notre présence ici, aujourd'hui, dans cet endroit, la République ou encore du peuple haïtien, c'est en réponse à une demande, une requête de coopération que M. le ministre Hervé Denis a transmis au secrétaire qui se trouve des armées, des forces armées du Mexique. Dans le cadre de cet accord, je voudrais partager avec vous le concert avec la force armée et du Mexique. Nous sommes dotés de très grandes et simples expériences en matière d'aide à la population civile. Nous avons appris pendant des années que les défis
que les peuples, auxquels les peuples font face, n'importe quelle envergure, sont de plus en plus constants. Mais aussi, de plus grandes dimensions. Les forces armées, n'importe quel pays, que ce soit, a pu transformer son rôle pour s'unir aux autorités civiles afin d'apporter des premiers secours aux citoyens qui font face à des difficultés. Sur ce, nous sommes dotés d'une grande expérience et nous voudrions les partager avec vous. Avec les forces armées d'Haïti, avec le peuple haïtien. Parce que ce n'est pas seulement les forces armées du Mexique qui apportent son support dans ce cas, nous le faisons aussi de concert avec d'autres institutions qui font partie du gouvernement. Nous ajoutons nos efforts institutionnels afin de pouvoir faire face à ces problèmes. Et sur ce, aujourd'hui nous sommes ici pour donner une réponse opportune à cette situation. Je voudrais remercier la manière dont nous avons reçu depuis hier notre arrivée, la délégation depuis lors de notre arrivée venue du Mexique. Nous voulons vous remercier de nous avoir reçus de manière chaleureuse et vous dire aussi que notre engagement, notre intérêt est de travailler avec vous à travers le cadre des aides que nous voulons apporter à la société civile. En général, cet engagement de rapprochement, de coopération avec les forces armées et avec les institutions du gouvernement, du peuple haïtien, parce que nous ne travaillons pas tout simplement en tant que les forces armées, nous travaillons de concert avec l'ambassade du Mexique pour fortifier cette coopération de telle sorte qu'elle soit intégrale, que ça puisse s'élargir sur toutes les institutions qui ont une réponse à apporter en cadre du problème. Nous devons travailler pas seulement l'ambassade, tous nous devons travailler, les gouvernements et les institutions, afin que nous puissions apporter notre appui aux problèmes auxquels nous faisons face. C'était Madame, Monsieur, chef en délégation militaire pays Mexique, là, Porfirio Fuentes Vélez, dans le cadre de l'atelier SA qui démarre dans l'hôtel Royal Oasis à Pétionville lundi 21 mai 2018. Là. Hands up, pire colonne! Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois que vous utilisez Sojé Kato pour payer achat, vous avez gagné une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sojé Kato. N'a pas eu un latrier cadeau. Dès pour servir à Sojé Kato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, d'un coup, yon qui a piqué un tour tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividage télévision, on génératrice, un kit qui gagne deux panneaux solaires, quatre batteries à un inventaire. On tablette ak yon séjour de Cameroun. Plus ou utilise Sojé Kato, plus ou gen chance gagner dans tirage 14 juin. Bon boul! Ou même qui poko client Sojé Kato, vin nan bon boa. Sojé Kato, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sojé Kato là possible grâce à support de Man Motors, Automeca, Valeo Yokanez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle douvan jour réveille tout Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée, dans le cabanon nous avant jour à informer. Nouvelle douvan jour, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour quoi, pas quitter Mundio. 3h du matin. Merci, Madame, Monsieur, pour fidélité d'information. Je vais continuer. Responsable d'un parti politique Patriote Rassemblée pour sauver la caille dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 22 mai, dans le restaurant Zami La Presse, a fixé position sur conjoncture politique là dans le pays d'Haïti. Président Parasol là, Yvon Bonhomme, félicité l'équipe qui sous pouvoir pour mise en place qui était faite dans l'occasion de sa 15e anniversaire drapeau. Dans un climat instable, il était réalisé. De l'autre côté, président Parasol, là, Yvon Bonhomme, plaidant en faveur formation conseil électoral permanent. Parasol trouvait que discours président, dans l'occasion 18 mai, qui marquait 5e année depuis la commémoration de la drapeau, son discours qui cita sous quatre axes
fondamentales, quatre axes principaux, qui c'est responsabilité, engagement, espoir, avec vision. Parasol tout, dit-il étonné pour comment fête drapeau, qui s'est fait tout peuple haïtien, de majorité, on va dire presque 99% parti politique qui dit il a fait politique l'État-nation, qui dit il a défendu cause peuple, eh bien, il est passé dans l'oubli et il a méprisé fête drapeau si là. Nous-mêmes, comme parti politique, nous avons dit président Jovenel Moïse avec Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, eh bien, année ça, qui était 18 mai, eh bien, ils ont fêté, on fête drapeau, a fêté, dans un climat politique stable, avec progrès, caravane changement, commencé poté. Nous, même comme parti politique, nous avons dit président Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, pour que gagne plus d'efforts qui fait, pour que l'année prochaine, donc qui pourrait faire 101e anniversaire date de commémoration fête drapeau, donc gagne plus de progrès qui peut du point de vue dans le domaine social, dans le domaine économique et dans le domaine éducationnel. Donc nous-mêmes, comme parti politique, on l'a fait encore. Nous apprécions le discours président qui était dans le Rotterdam comme numéro 1 nation et qui lance un message de solidarité, qui lance un message tête ensemble avec tout petit pays pour que, effectivement, Jean-Papa Nation, Jacques Dessalines de Dille, nous arrivions à construire un pays. Côté tout le monde, c'est monde, à côté tout le monde doit vivre tant que monde. Pour ça qui concerne stabilité politique pays, parti politique parasol, a compté pendant 30 à 40 dernières années, pays a connu environ 20 conseils électoraux provisoires. 20 conseils électoraux provisoires qui plongeaient pays dans 40 ans d'instabilité politique, instabilité économique, instabilité sociale. Dans le coup de 4 ça, nous-mêmes comme parti politique responsable et avant-gardiste. Parasol, je vous dis, rencontrer la presse pour demander dans le cas ça, pour le président de la République, là, ensemble avec le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, pour le président du Sénat de la République, là, ensemble avec le président de la Chambre des députés, pour le responsable pouvoir judiciaire. Pour non plus tôt possible, yo fait payer plus gros cadeau qui c'est ça après le conseil électoral permanent mais aussi avec coup constitutionnel là pour gagner élection dans pays. Élection qui vini yo doit faite avec conseil électoral permanent. Li inacceptable pour après environ 40 ans chaque nous parle l'élection c'est dans combinaison. Nous, par contre, qui est ce conseil qui a fait? Et aujourd'hui, l'heure est arrivée pour le pays à gagner un conseil électoral permanent. Et dans le cadre du conseil électoral permanent, ça, par rapport à tout profiter, demander, il faut que les jeunes et les gens handicapés représentent non seulement dans le conseil électoral permanent, mais tout pour représenter dans le cour constitutionnel. C'était Mesdames, Messieurs, Président, Patriote Rassemblée pour sauver la Kailan, Yvon Bonhomme. L'autre information, association Femmes Levé Campé AFLK, dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 22 mai 2018, là, dans le local qui de l'avenue John Brown, plaide en faveur respect droits femmes dans la société haïtienne. Là. Présidente association Femmes Levé Campé A, Léveillé Valmire, souhaite intégration et participation plus femmes dans la politique pays. A. Madame Léveillé Valmire, mandat autorité concernée, créer conditions pour empêcher femmes de subir toute qualité d'acte dans le pays. A. Malgré le travail à avancer que nous faisons dans le domaine droit à respect femmes, Femme yon pa jam suspann victime violent sous toute forme. Ça fait nous sentir nous devons doubler effort nous pour nous faire reconnaître valeur nous dans la société. Parce que femme c'est maman la vie, c'est pour mon société, c'est pour moteur économie. Dans l'optique ça, yon groupe femme mette tête yon ensemble pour yon voir comment yon ka mette main dans patte là pour aider nous joindre yon solution à toute qualité ça femme habitué subi. Et pour nous voir comment les femmes sont impliquées et participer dans la politique du pays. Tout ça permet de nous identifier ensemble les problèmes. Tant que toute forme de répression, pour quel que soit le motif, les femmes sont subies. Tant que violence physique, verbale et orale. Toute forme de discrimination, professionnelle ou sociétale. Toute forme de chantage pour conserver le travail ou bien pour jouer une promotion. Conditions désagréables pour aller au travail. Sans pas tenir compte de compétences. Image à caricatique à capsiquiler
pour sale réputation femme, blague, chanter, film, pour dénigrer femme, mauvais traitement, conditions bestiales, décision y obligé prend malgré yo même pour combattre mauvais la vie, pour répondre à besoin yo, à besoin petit yo. Négligence et manque souci bon côté l'État pour pencher sous quelques lois pour protéger et faire respecter femmes. Créer bon genre conditions pour femmes joindre plus encadrement, accès à la formation continue, et spécialement dans la province et dans la zone reculée. Manque implication à sous-estimation femmes dans le secteur politique pays. Dans l'idée ça, femmes levées campées, demandent toutes femmes sans distinction pour les réveiller, pour nous faire respecter et montrer valeur nous dans la société. Parce que nous sommes plus, nous compétents, nous responsables et nous comptons travail. Pas de aucun développement qui possible si nous ne pas faire respecter les droits femmes. Pas de aucun développement qui possible si nous ne pas impliquer. Pas de aucun développement qui possible si nous ne pas participer. C'était Madame, Monsieur, Présidente de l'Association Femmes Levé Campéa, Léveillé Valmire. Commissaire divisionnaire Kado Saint-Marc André installé dans la soirée lundi 21 mai à Nanville, Jacques Mel, comme nouveau directeur départemental police là dans le sud-est. Il rané samedi pour plus de détails. Il y a un nouveau directeur départemental installé pendant la soirée lundi 21 mai 2018 là dans cette direction police sud-est. Non, commissaire divisionnaire Kado Saint-Marc André, remplacé commissaire divisionnaire Mounès Auguste qui lui-même transféré dans le niveau direction générale PNH là, nouveau responsable institution policière sud-est là, pour mettre tout le travail ensemble avec la population et puis tout secteur. Pour arriver à chasser l'insécurité sous le département qui permet aux citoyens de dormir à quai posé. Commissaire divisionnaire Kado Saint-Marc André qui fait qu'on est. C'est un travail technique qui le faire dans cette institution policière. Préciser tout le monde doit respecter l'ordre et la discipline pendant l'été. Si des doyons département exemple sur plan sécurité, déclaration nouveau directeur policier des plans, commissaire divisionnaire Kado Saint-Marc André. Nous sommes en travail ensemble avec la population. Nous travaillons coude à coude, main en main, pour nous travailler, pour nous chercher insécurité et pour tout le monde dans le département, quelque chose dans la coinée, pour nous travailler ensemble avec la population, pour tout le monde dormir avec tout qui est étudiant et qui va être dans l'occupation. J'en sais pas, déjà la loi, mon Dieu, c'est le Kado Saint-Marc André. Par un mot politique, non, pas un politicien, mais c'est un technicien. C'est un travail technique. Question de monde pas arrêter, c'est si la loi pas arrêter, l'autre pas arrêter, c'est si la justice pas arrêter. Moi-même, sur le gouvernement, non, sur le côté de la GLEA, sincèrement, pas arrêter. Parce que non, pas écrit dans la Constitution, sauf si la justice pas arrêter, mandat vous ou pas arrêter. Si la justice vous pouvez arrêter ou arrêter, pour nous avoir une objectif, non, c'est sécurité dans tout coin. A fait ça ensemble avec la population parce que nous voulons, dans le département de travail, là, tout le monde qui a passé, nous prenons comme modèle pour des gains de sécurité, et sécurité, ça fait pas la police. Seulement, en fait, c'est ensemble avec la population, dans le ensemble, pour nous courir des faits noirs et les insécurités. Directeur sortant, commissaire divisionnaire Mounès Auguste Bokode Pal, félicité population sud-est là, lui estimé qu'il était collaboré avec dans le travail qui n'est pas vraiment facile pendant le fait qu'on est. Après 3 ans, il passé dans la tête la police au niveau département sud-est là, et avec fierté, il pral continuer à servir PIA dans le niveau de direction générale. Commissaire divisionnaire Mounès Auguste. C'est un changement qui fait, direction générale fait. Donc, monsieur, que c'est pour la bonne maille du service. Donc, il y a un nouveau directeur qui vient là, qui c'est monsieur Cadostin. Donc, moi-même, moi, je vais m'entrer dans la direction générale, côté au besoin pour notre service. Il a passé à peu près 3 ans. Satisfaction, c'est pour moi, c'est pour la population et c'est pour nous. Faire la patrouille aussi facile, mais pas trop difficile. C'est surtout avec les journalistes qui te comprennent comment la police travaille dans le sud-est, qui te comprennent, qui te prennent tout appui pour qu'elle travaille la défaite. Et on profite de monsieur pour c'est une population hospitalière qui peut bien recevoir moi et qui recevoir les policiers qui comprennent, qui travaillent, qui peut gagner comme des faits au sein de la population. C'était une collaboration qui était parfaite du fait que je suis censé le ici, du fait que je suis passé 3 ans en direction et 3 ans, je suis dit que le problème qui peut résoudre, nous résoudre sans cassure. L'important pour nous souligner, c'est dans les 9h30 constat dans l'après-midi, installation s'est faite dans la direction départementale police sud-est. C'est administrateur direction centrale police administrative de CPIA. Commissaire divisionnaire Ras Dominique qui devine procéder à l'installation. Nouveau chef police sud-est fait partie de la deuxième promotion la police. Là. Après département la Tibonite, Sud-Accent, Sud-Est, c'est 4e département commissaire divisionnaire. Marc-André Cadostin a bien pour le commander depuis Jacques Mel, Irané samedi, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9.
Merci, Irané. Samedi, gain directeur départemental police dans Sud, Mario Aubergus, qui est intervenu dans Micola Presse mardi 22 mai dans le cadre concours débat génie scolaire police communautaire après réalisé dans la région. Marjorie Despierres. Monsieur la police dans Sud, Monsieur Mario Aubergus, baille au point de presse mardi 22 mai 2018 là, dans l'idée pour capable parler de l'activité police communautaire qui a été organisée qui fait le débat génie scolaire qui est lancé dans 53 écoles publiques au niveau département depuis 9 mars dernier. Activité qui est entreprise en collaboration avec Direction Sud, Éducation nationale et formation professionnelle. Le débat qui est déroulé à l'élève 9e année fondamentale qui sera clôturé samedi 20 mai 2018 là, dans la cour commissariat au Caïra. C'est de l'école nationale qui a fait finale. C'est l'école nationale Saint-Rose de Lima dans la commune Mariche avec l'école nationale de Colette dans la commune Ocaï. Directeur Mario Aubergis avait plus loin pour dire activité ça possible à support la présidence Abbaï. Premier prime qui c'est le laboratoire informatique, quelques policiers, quelques directeurs du bureau de concentré dans le sud, examen qui seront et accueilli activité ça. On écoute la déclaration du directeur départemental sud PNHA, Mario Aubergis. Parler un peu de l'activité de police communautaire, que direction départementale et police sud, en partenariat avec direction départementale, éducation nationale et la formation professionnelle, et vraiment c'était mis en place, c'était vraiment le 9 mars dernier, et c'était une activité de débat génie qui était faite au niveau département, qui était impliqué 53 écoles publiques. Nous devons être témoins de la 9e année fondamentale. C'est qu'on compétition et avec eux. Et nous allons arriver dans la phase pour nous finir. Nous avons fini la carrière samedi. Et deux écoles qui qualifient pour la finale là, c'est l'école nationale de l'Élément de Maniche et l'école nationale de Colette qui va faire la finale là samedi. Mais vendredi, bien avant ça, vendredi, après la finale là qui a fait entre Effa de Voix-Piment et Moati, l'école nationale de Moati. Donc, c'est une façon pour nous remercier tout le monde qui a participé avec nous, pour nous féliciter tous les étudiants les jours, qui ont impliqué en ville pendant ça, qui fait que nous avons commencé, qui fait que l'activité a fini sans problème. Donc, nous, en termes de prix, la finale là, il y a des prix très alléchants qui est là, qui est disponible déjà. Donc, pour l'école qui est championne, là, qui est un laboratoire informatique, l'école qui est vice-championne là, une bibliothèque. L'école qui est troisième, là, bien, on secrétariat, qui a fait secrétariat à la police, après ordinateur, bureau, tout ça. Donc, en gros, c'est ça lié. Et puis, maintenant, des prix individuels pour six membres qui étaient et puis performants pendant le débat. Donc, bien, la bien la forme, des cadeaux qui sont liés avec l'éducation, la bien tablette et des dictionnaires. Tout ça, c'est des regards pour les gens qui participent avec nous, puis les partenaires, puis les gens qui étaient ou activités d'ailleurs, mais activités qui étaient mis prix à disposition. Et pour l'école, c'est la présidente qui met à disposition nous. Et pour l'école, c'est des amis, c'est des policiers tout, c'est des directeurs dans le département qui impliquent nous et qui étaient mis prix à disposition. Comité qui t'a organisé le débat, Michel. N'a pas rappelé, ce n'est pas la première activité direction PNH là, dans le sud organisée dans l'idée pour approcher Simon à Genio. Vacances été 2017 là, il était organisé un camp d'été à Kerevio qui était fait plus belle moyenne dans l'école nationale, côté il était passé plus que mois et demi à Bayo formation, il était mangé, visiter quelques sites touristiques, familiariser yo. Et puis, c'est fait pour eux dans la clôture. Depuis Métropole Sud, Ville Okaï. De Pierre Marjorie pour Radio Guinée d'Haïti 92.9. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là.
Juge de paix commune Port-de-Paix Paul Blanc confirmé dans micro la presse la moyenne dans magistrat adjoint commune Port-de-Paix Tony Vergniaud dans un accident circulation mardi 22 mai 2018 là Wilnick Ormestis. Mais adjoint commune Port-de-Paix Tony Vergniaud mouri jeudi dans un accident donc après que il était fini monter à bord un engin d'après toute information que maire principal là Josué Alusmat a piloté donc dans descendre un mon engin qui fait accident. Et journaliste, invite au côté juge Paul Blanc qui fait constat cadavre là. Après que nous fissions information yo mais principal là je qui t'a piloté et en gesta ça prend la suite comme on dit c'est toujours un des antécédents entre maire principal là je réalise avec Tony Vergniaud qui lui-même c'est monde qui était plus populaire dans cartel ça qui permet cartel là s'arriver élu donc faut qu'on dit jeudi mardi a c'est un gros moment de tension dans Port de Paix donc à cause la mort et tragique magistrat Tony Vergniaud puisque c'est un homme très populaire à cause d'un journaliste de carrière la population est très en colère les autres apprennent que c'est lui-même qui est mort ça permet que aussi tire pirouche donc sous la police policier même il y en a la rue il y a travail mais faut qu'on dit grâce à la vigilance. Donc, il a commencé par permettre que les activités reprennent, puisque dans l'heure et une heure, c'est l'heure que l'école lui-même l'a plagué. Donc, ça permet que la police est obligée de déployer tout ce talent pour permettre que si le monde capte l'école avec l'autre monde et capte dans l'occupation, il ne peut pas arriver, soit frapper, soit prendre plus proche, que des gens qui sont frustrés par rapport à l'homme, il ne peut pas lancer. Donc, c'est Wilnick Ormestis pour Radio Guinée depuis Port-de-Paix. Merci Wilnick Ormestis. L'autre nouvelle, directeur de l'école nationale 3e cycle dans 4e section Pilboro dans la commune Henry Jean-Philippe Delavard, mandé ministère de l'Éducation nationale prend disposition pour nommer professeur qui travaille dans l'école ça, Mira Jonas. Numéro 1 l'école nationale 3e cycle dans 4e section Pilbo dans commune Henry pas suspendre utiliser micro la presse pour demander à autorité dans ministère éducation nationale et formation professionnelle nommer professeur qui travaille dans sa classe plus passer 4 l'année selon directeur si toutefois autorité ou pas dit un mot l'école ça pas gain avenir dans population n'a pas invité au côté qui c'est Jean-Philippe Delava dans micro Radio Guinée d'Haïti. National 3e cycle. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et enseignants ont souffert depuis 4 ans. L'autre semaine, c'est examen. Il est toujours venu faire couillot, malgré qu'il n'y a pas un ange dans le main. Et des jours en jour, la vie a venu plus bouler. Il y a tout à vivre avec Madame Petit. Il y a qui sont au Gonaïve et nous avons 5 qui sont au Cap. Dans le Nord, il fait route là 2 fois par semaine. Ça dit en pile couillot. Mini Josier, il faut agir vite pour l'école nationale 3e cycle. Moi-même, en tant que responsable de l'école, là, je suis depuis 7h45. Parfois, c'était pour les 6h du soir et manquer d'espace pour nous fonctionner dans un seul lait. Situation tellement difficile à des arts, même fait drapeau ne pas fêter. Malgré les cris, nous pas une personne répondre. Nous. Malgré ces activités qui ont rassemblé en plus de monde présent, Mamla, Zinoui, des sections, dans ce sens-là, nous avons les ministres. J'étais un regard spécial sur l'école nationale 3e cycle. De façon, pour toute activité parascolaire, quand répondre, ça s'est commencé à. Avenir l'école, ça y est hypothéqué si toutefois l'État haïtien pas dit un mot pour
enseignants yo qui n'ont une situation irrégulière yo souhaité avant longtemps a bonne réponse qui baille dans sens ça. Miran Jonas pour RGDH Radio Guinée d'Haïti 100.7 commune Enri. Magistrat commune Côte de Ferland Franquer d'Alexis dans un contact la presse mandé responsable dans DGI faire recrutement dans bureau DGIA dans commune pour faciliter service Ronald Jean. Mais au moment côté administration communale Côte de Ferland a encouragé population Côte de Ferland à payer taxes normalement dans communauté là pourtant bureau DGI dans commune Côte de Ferland n'a pas offert population Côte de Ferland un service de qualité à côté on sert grand employé qui travaille dans bureau DGI communal là une situation que premier citoyen commune Côte de Ferland Franquer d'Alexis qui a dénoncé à toute force lui, et puis tout profiter encourager les responsables de notre direction générale des impôts dans toute disposition pour recruter leur personnel d'une façon qui permet au bureau DGI, commune Côte de Fer, assemblée à son institution étatique, centre d'Alexis et administrateur commune Côte de Fer, l'Italie Nicolas de tout pays. Dans la direction générale des impôts, t'as dû voyager au garder façon agence locale à fonctionner sur le territoire national là. C'est une nécessité pour bureau des élus communes Côte de Fer, bien leur personnel qui vous travaille. Comme ça, bureau des élus communaux là, pas tourner et on s'y bien privé. Ronald Jean pour Radio Guinée d'Haïti 92.9 FM depuis Centre-Ville, commune Côte de Fer. Toute nouvelle Radio Télé-Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sur notre nouvelle arrivée, dans bout li rappel quelques principales informations nous sont développées. Première dame République là Martine Moïse recevoir dans salon diplomatique aéroport international Toussaint l'ouverture l'an mardi 22 mai reine pays espagnol Laetitia Ortiz Ocasolano. Ministère éducation nationale et formation professionnelle n'ayant circulaire annoncé introduire en plusieurs modules formation sur éducation environnementale plutôt avec sous reboisement dans l'école Lyo. Décision ça prendra en vigueur dans la prochaine année académique 2018-2019. Ambassadeur États-Unis accrédité en Haïti, Michel Jean Tizan, mettait en bout mardi 22 mai dans une visite de jour dans le département sud-est pour évaluer projet gouvernement financé dans la région. Magistrat adjoint commune de Porte de Paix, Tony Vergniaud, mourit dans un accident circulation mardi 22 mai 2018. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour savoir qu'un pilote nous souhaite développer pour une nouvelle la merci pour écouter avec attention. Namikoa, c'était Melias Noxon qui a invité au RT Branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour qu'on ait son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée, pas la boule de qui sans monde vle dit, ni au dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ce qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe, 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. Mon cap côté radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, yon l'église, pendez la messe devant vous, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, yon expérience natif natale. Qui a gagné un chance, mais on part en avant.